Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Share Players, la 114e si je sais encore compter. Je suis en compagnie de Roman. Salut Roman, comment ça va? Bah salut Yannick, salut à tous, écoute ça va super, on est en demi hein. On est en demi. Ouais, en demi-finale, ouais, c'est clair. Très content de la victoire de l'équipe de France. J'espère que ça sera diffusé avant la demi-finale et qu'on ne soit pas éliminé d'ici là pour pas passer pour oui, des, c'est pour clair, des buses, c'est mais clair. Voilà, donc donc voilà, belle, la France belle, belle est en actu... demi-finale. Ouais, belle actualité foot. Au niveau jeu vidéo, l'actualité un peu plus calme, un peu plus timide. Après l'E3 qui a été un peu l'apothéose, enfin, entre guillemets, l'apothéose. L'apothéose de l'année, du début d'année, on va dire, du premier semestre. Ouais, voilà. Mais là, c'est vrai qu'après, bon, comme chaque année, l'été est un peu plus calme. Mais bon, c'est pas très grave. Calme. On est là pour lancer aussi un petit débat un petit peu chaud et pour la suite, pour la Allez, on va lancer un débat chaud. Juste avant ça, tu joues à quoi du coup en ce moment? Alors en ce moment, putain, écoute, beaucoup sur Switch. Écoute, j'ai fini, bah ouais, on change pas. Hein. Récemment, écoute, un des rares jeux que j'avais pas fait sur Wii U, Bayonetta 2, je l'ai fait sur Switch, je me suis régalé. Ah ouais, c'est une tuerie, franchement. Ah ouais, putain, franchement, c'est ouf, quoi. J'avais peur, tu vois, après avoir fait God of War. Bon, c'est pas pareil, tu vois, mais j'avais un peu peur de l'après God of War. Finalement, en termes de gameplay, Bayonetta, ça m'a subjugué, c'était top. Ça n'a rien à voir en fait niveau game, enfin, c'est vraiment un jeu de non, gameplay, oui. y a rien, enfin, pas qu'il n'y a rien d'autre autour, mais c'est vraiment ah un mais jeu de si, gameplay. parce que je vais te dire, les cinématiques, tout le long, je les ai passées dans Bayonetta, quoi, tu vois, j'ai même pas regardé Ah, les cinématiques. ouais. Ah ouais, Ouais, ça m'a c'est vrai que gonflé. c'est pas, enfin, plus t'as pas fait le premier, du coup, bon, Ouais, bah, non, forcément. ouais. Dans Bayonetta 2, après là, on a enchaîné bah, avec ma compagne, on a commencé un petit peu Crash Bandicoot, toujours sur Switch. D'accord. Et en parallèle, là, j'ai commencé hier soir Mario Tennis, toujours sur Switch. Et c'est bien? Ouais, franchement, c'est pas mal. Mario Tennis, j'ai commencé à faire le mode solo. Franchement, c'est cool. C'est Cool. cool. Il y a des stratégiquement, il y a des bons coups. Enfin, ça fait appel à la stratégie qui est propre au tennis, tu vois, tout en saupoudrant ça du côté un peu what the fuck et farfelu l'univers Mario. Mais le mariage fonctionne bien. Je pense qu'il y a une bonne profondeur. J'ai hâte d'y jouer en ligne, quoi, tu vois. D'accord, Ouais. si ça marche bien en ligne, ça Ouais, si serait ça marchait bien une en paire ligne, de ouais, manches, quoi. ce sera le test. Et toi, alors, t'es sur quoi, là? Bah, pas grand-chose, j'ai terminé. Putain, merde, j'ai un trou. C'est impressionnant ça. Après, Vampire, t'es toujours dessus. non, j'ai un peu laissé tomber. J'avais oublié que je l'avais en fait. Tu vois, j'avais oublié que le jeu existait. C'est terrible hein, avec l'E3 et tout, Blackout. Non, là je fais Wolfenstein sur Ah une oui. Xbox One. Attends, mais c'est lequel que tu fais, le Le premier ou le premier, deux? Le premier, ouais. sorti il y a quelques années, mais il n'y a pas si Ouais, longtemps. Pas le il y a deux, premier, trois. genre sur PC, Wolfenstein. Voilà, Ouais. 3D. J'ai fait ça, j'ai fait Captain Spirit, que j'ai trouvé Ah vraiment. oui! C'est nul. Enfin, franchement, j'ai pas trouvé Non! ça. Bah, C'était pourtant tes clients, toi, de ça, tu vois? ouais, mais là, j'ai trouvé l'écriture téléphonée, prévisible. Genre, les effets émotionnels, entre guillemets, je les ai trouvés. Voilà, on les voit arriver à 10 km. Et c'était des situations déjà vues en termes émotionnels. Après, on a quasiment rien vu. En 1 heure, t'as le temps de rien voir, quoi. Ça s'arrête un peu de façon abrupte. Parce que là, À attends, voir. pour rappeler le modèle du truc, c'est en téléchargement gratuit Ouais. et ça présage du vrai Life is Strange 2, c'est ça? Bah, ils C'est te disent, vous retrouverez Captain l'intro de. Spirit dans Life is Strange 2. Donc, on sait Et pas. Captain Spirit, c'est le petit garçon, c'est le nom du Ouais. garçon? D'accord. C'est son blaze, tu vois. Je C'est trouve pas que c'est un c'est comme peu con comme Spider-Man. Ouais, blase. c'est clair. Comment tu t'appellerais, toi? Captain Pastis, non? T'imagines le héros de merde, Captain Pastis, le truc ça Là, j'étais en train de commence réfléchir très mal quoi tu vois. si le mec il faisait du rap, si ça passerait Captain Spirit, tu vois, dans le rap à la limite, tu vois, ça peut passer dans le Captain rap. Pastis, ouais ça peut passer Captain Spirit, dans le rap US et tout peut-être, mais voilà, pas dans... Voilà donc T'as du. voilà, à part ça, pas grand-chose. C'est vrai que j'ai pas trop le temps de jouer donc mais bon. Ah, et puis c'est vrai que bon, chaque année c'est un peu le même effet, tu vois, il y a les beaux jours, en plus il y a la Coupe du Monde, il y a Ouais, c'est l'esprit des ça. vacances. Moi, du coup, comme il fait une chaleur de fou, bah, je suis bien content d'être au bureau. Fin d'après-midi, te mettre la Coupe du Monde, tu vas à la salle de sport, t'enchaînes avec un autre match de Coupe du Monde, t'as pas trop le temps. Après, tu sors un peu le soir parce qu'il fait frais, t'as pas vraiment le temps de te mettre devant ou l'envie plutôt de te mettre devant la console, quoi. Donc, mais bon. Surtout que pour le coup, l'horaire des matchs de Coupe du Monde, il est parfait, je trouve, tu vois. 4 heures, bon, il y a des. Ah, toi, ça fait un peu tôt, 4 Au heures, t'es au boulot, ça boulot, fait ouais. un peu tôt. Bon, heureusement, on peut choper TF1
En live, enfin, facilement, je pense que c'est pas. Ouais, sur Molotov. Ouais, ou Molotov, mais bon, sur nos ordis, c'est un peu compliqué au boulot, j'ai pas de réseau 3G, donc Ah ouais, ah merde, c'est un ouais. peu la cave là-bas. Mais bon, c'est pas grave, Putain, mais on est là pour quoi, là, en fait? Parce que, tu vois, on est limite, là je pour parler de la préférerais qu'on Coupe du discute comme Monde. ça, tu vois, mais bon, il faut bien qu'on propose Il faut, ouais, vrai sujet aux abonnés, sinon... les vrais Mais sujets aux bon. abonnés, ben, on va parler de la PS5 et de la Xbox Next parce que Ben, on va les unboxer devant vous, là. on va les unboxer devant vous. Voilà, je vais unboxer là. C'est bizarre, hein, c'est parce que ça vient du futur et c'est assez étrange. Mais non, c'est assez. Alors j'ai l'impression que la PS4 et la Xbox One, pas qu'elles viennent d'arriver, mais qu'elles sont sorties il y a pas si longtemps que ça. Ben, ouais, enfin, vas-y, si tu veux continuer, sinon Ouais, je et rebondis tu vois, j'ai direct. l'impression que c'était interminable la PS3 et la Xbox 360. Là, j'ai toujours l'impression que c'est frais, tu vois, genre. Tu sais, j'ai toujours l'impression que c'est pas des nouvelles consoles, mais qu'il n'y a pas le facteur d'usure qu'il y a d'habitude, de lassitude, et que déjà, on va avoir droit à des nouvelles machines, même si, voilà, je spoil un peu ce que je veux dire, je pense que ces nouvelles machines ne seront pas vraies si nouvelles que ça, mais bon. Ah, j'écoute, t'as dit ce que je voulais dire, en fait, Ah, effectivement, merci, c'est au vrai que revoir. la... non, là, c'est vrai que la génération précédente, et pourtant, si ça se trouve, si on fait le parallèle en termes de durée de vie des deux générations en présence, enfin, il n'y avait peut-être pas tant d'écart que ça, mais la génération précédente nous a semblé super longue, tu vois. Alors qu'initialement, les machines, la PS3 et la 3.6, étaient quand même relativement puissantes lors de leur sortie, ce qui n'était pas forcément le cas des PS4 et One, qui étaient déjà... presque en retard, enfin, en retard par rapport au PC. Mais je sais pas, alors c'est peut-être le facteur mid-gen qui a redonné un second souffle à la génération, même si, Possible. voilà, même si techniquement parlant, si tu as encore J'ai une une autre PS4... explication, mais. Ah ouais. Non mais là, tu vois, moi j'ai qu'une PS4 normale et je ressens pas non plus, j'ai pas l'impression d'avoir une machine qui est dépassée techniquement, tu vois. Ouais. Tu prends les derniers jeux, les dernières exclus Sony, elles sont super solides. Voilà, Detroit techniquement il tue, God of War aussi. Et clairement non, je ressens pas le besoin de passer à la suite. Alors sauf si la suite nous promet d'autres modèles économiques et d'autres façons de consommer le jeu vidéo. Mais techniquement parlant, graphiquement parlant, regarde ce qui arrive là, Spider-Man ça a l'air de tuer. C'est vrai. Non, mais il y a une fin d'année qui astre, qui astre, y a Red Dead Redemption 2, mec. Je sais pas si d'un coup, là, l'autre Ah jour, ça putain, m'a mais fait ouais, non, tilt. mais ouais, c'est vrai, j'y Putain, pensais plus, tu vois. y a Spider-Man, il y a Red Dead Redemption 2, il y a quoi d'autre? Ben non. Forza Horizon 4, Ouais, Forza Horizon 4. qui va arracher la tronche, je pense. Et puis, non, il y a pas mal de trucs qui arrivent, dont on a oublié les Non, noms, puis mais. dans un futur plus lointain. Alors, les gens disent, ouais, mais ça, laissez tomber, les gars, ce sera pour la PS5. Je pense pas, tu vois. Les Ghost of Tsushima et Death Stranding, moi, je les pressens pour cette génération. En tout cas, ils sont présentés pour cette génération-là, tu vois. Je vois pas. Death Stranding, non, je pense qu'il sera sur PS5. Mais je pense À cause de qu'il. quoi? Du côté technique ou de la longueur de Non, la longueur de développement? développement, et Ah ouais. qu'au moment où il va sortir, il y aura déjà la PS5, donc ce sera pas pertinent, je pense, de le sortir sur PS4 ou uniquement D'en sur faire. PS4. Parce que je pense que. Alors, déjà, je vais revenir sur le fait pourquoi aussi cette génération nous semble pas. Enfin, plus courte que l'autre, on va dire. Je sais pas si c'est le bon mot, quoi, mais. Qu'elle semble encore neuve, c'est que la précédente génération nous a abreuvé de nouvelles licences. Mais on n'a eu que ça. BioShock, Dishonored, enfin, Gears, Gears, Uncharted, on en a eu des Ouais, c'est pléthores. vrai. Et ça a monté en puissance continuellement. Tu regardes les derniers, surtout sur PS3, parce que la PS3 avait quand même beaucoup plus de coffres au final que la 360. Ouais. Tu regardes Last of Us, God of War 3, etc. Enfin, surtout Last of Us, qui est, je crois, le dernier gros jeu sur Ouais, c'est PS3. ça. Il envoie du pâté quand même, tu vois. Donc, il y a eu une montée en puissance assez impressionnante. Déjà, on a eu l'apport de la HD, donc on n'avait pas avant. Donc, c'était déjà un gros truc. Assassin's Creed en nouvelle licence aussi. Assassin's Creed, ouais, il y en a plein qui vont nous venir en tête et tout. Ouais. Mais il y a eu la HD, le jeu en réseau, les stores, le dématérialisé, les indés, tout ça, c'était tellement de nouveautés par rapport à la Ouais, mais alors PS2. justement, c'est antinomique avec le fait que ça nous a paru long, tu vois. Ben non, mais c'est-à-dire comme il y a eu constamment des nouveaux trucs, tu vois, tu avais l'impression, tu vois, d'avancer quelque part. Et que dans cette génération-là,
on n'a pas énormément de nouveautés. J'ai l'impression qu'on stagne. Tu vois, il y a eu des nouvelles licences, il y en a eu certes, mais je trouve que c'est quand même moins inspiré. En tout cas, moi, mon expérience de joueur, je me suis beaucoup plus éclaté sur la PS3 et la 360 que la One et la PS4 pour l'instant. Parce que Ouais, c'est pas pareil, c'est ouais. c'est une autre période de la vie. C'était vraiment il y avait un gap technologique avec le passage à la HD, le jeu en ligne, tout ce que j'ai cité avant, qui faisait que, tu vois, genre, on avait constamment des paliers d'émerveillement. Ce qui fait que, tu vois, genre, t'arrives à segmenter un petit peu la durée de vie de ces consoles-là avec des moments marquants, tu vois, genre, quand il y a eu le XBLA, le 1 contre 100, enfin, il n'y avait que des trucs comme ça, tu vois, le Uncharted 2, cette patate qu'on s'est pris en pleine tronche, quoi, tu vois, Last of Us 2, Last of Us à la fin, on a eu même BF3, tu vois, il me paraissait magnifique quand il est sorti Oui, sur sur PS4, PS3, sur PS3 et tout, tu vois, donc. ouais, carrément. Donc Ouais, on mais a eu alors, tout ouais, mais ça. justement, ouais, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis là, mais ça aurait dû nous tenir en haleine pendant. C'est combien de temps a duré cette génération? 8 ans, 7-8 ans, tu vois. Attends, La ça a 360 est commencé. sortie en 2005, la 3-6. Donc c'est 2005-2006 jusqu'à 2013 à peu près. On prend Ouais, la. alors tu vois, 8, on va dire 8 ans, 7-8 ans. Et là, c'est sorti en 2013, on est en 2018, ça fait déjà 5 ans. Et pourtant, ouais, mais tu vois, mais c'est ça le paradoxe, c'est que. La génération précédente nous a paru longue, pourtant, tous les arguments que tu as annoncés, que tu as avancés, laissent présager que justement ça a pu nous tenir en haleine pendant cette année-là, ce qui n'a pas été le cas finalement. Cette année. Et là, ça fait 5 ans que la génération actuelle existe et on n'a pas cet effet de lassitude alors qu'on a eu moins de temps fort et de game changer que la génération précédente, tu Alors, vois. c'est pas de la lassitude, mais je pense que du coup, pour moi, elle n'a pas encore décollé, tu vois. C'est plutôt Ah ça que oui, je veux dire. je Tu comprends ce que tu vois, veux dire. enfin, ça a décollé, mais c'était souvent des soufflets qui retombaient. J'ai pas eu. Après, bon, sur PS3, on a eu tellement de trucs. C'était nouveau d'avoir des remakes HD. C'était la première. Donc, tu vois, même des premiers remakes HD, c'était cool de les avoir. J'ai eu peut-être mon meilleur jeu de tous les temps avec Street 4 qui était constamment mis à jour, etc. Là, mon Street 5, il m'amuse même plus, tu vois. Donc, bon, je sais pas, il Ah y a. mais alors moi j'ai une autre théorie qui fait qu'on a eu la lassitude à la génération précédente et qu'on n'a pas là. C'est que je pense que peut-être qu'actuellement, enfin j'ai l'impression qu'à chaque génération on dit ça, mais là j'ai l'impression que c'est encore plus vrai qu'avant. Techniquement, graphiquement parlant, on sent qu'on a atteint quand même un certain palier qui satisfait le plus grand nombre, tu vois, surtout quand on joue aux jeux exclusifs de chaque machine. Franchement, à chaque fois, moi je me dis, putain, mais. À la génération précédente, souvent tu sentais qu'il y avait encore de la marge de manœuvre pour proposer des jeux plus solides techniquement, tu vois, graphiquement. Et on sait que quand on a envie de passer d'une machine 0 à la machine plus 1, c'est parce que tu as envie d'avoir plus de ressources techniques. Là, actuellement, franchement, alors ok, on vise la 4K, le 60 FPS, mais je veux dire, Bon, visuellement la parlant. 4K, on y arrive finalement. Ouais, Finalement, finalement, ça. ben c'est pour ça, on y est quasiment avec les Ouais. Pro et X. Donc finalement, tu te dis, t'as pas besoin d'avoir beaucoup plus puissant pour passer à une autre machine. Donc en fait, t'as pas ce sentiment de lassitude là. C'est parce que tu t'imagines pas avoir quelque chose de beaucoup plus puissant à la prochaine génération en fait. Donc quelque part, t'es pas impatient de passer à la suite. C'est peut-être ça qui fait qu'on a moins de lassitude aujourd'hui. Peut-être, peut-être. Après, on avait énormément. La génération précédente. On était tellement hypés par le jeu vidéo, par tout ce qu'elle a apporté. En plus, on s'auto-hypait tous les deux parce que c'était vraiment, on était tout le temps à bloc et tout. Là, c'est vrai que bon, on a vieilli, des modes de vie différents. Donc, forcément, il y a ça, il y a moins de jeux qui nous disent. Enfin, il y a tout un ensemble de faits qui fait qu'on est peut-être Ouais, moins mais excité. même sur les forums, j'entends peu de personnes crier à cor et à Les cri la suite, tu forums, vois. on est en 2018, mec. Comment ça? Les forums, quoi. S'il te plaît, quoi. Les forums, quoi. Il reste qui? Il reste Danton Sorrento et qui d'autre? Kyo. Et Kyo, voilà, c'est de là. De toute façon. C'est les modérateurs de l'internet Exactement, 2.0. ouais. C'est les rois de l'internet, en fait. Non, non, mais ouais, non, forcément, il n'y a plus personne sur les forums, donc t'entends personne parler de ça. C'est un peu logique. Non mais ouais Mais tu vois non ce que je veux les gens dire? sont pas bah, Dans la on va voir communauté. dans les commentaires de cette vidéo, dites-nous si vous êtes hypé par Non, mais en plus, tu sais, regarde, en plus, il y a quand même des. Je fais un anglicisme, on va transitionner vers la suite. Nice transition. Les signaux que nous envoie l'industrie,
Et les constructeurs, c'est les éditeurs, c'est. Ouais, je pense qu'on tend plus vers une façon différente de consommer les jeux vidéo, plus que vers des machines surpuissantes, tu vois. Elles seront pas surpuissantes, elles seront juste suffisamment puissantes pour avoir un confort de jeu plus homogène par rapport à ce qui se fait sur PC, pour pas que le gap avec le PC, c'est toujours pareil, pas que le gap avec les PC haut de Ouais, gamme c'est trop important. soit trop Ouais. important. C'est-à-dire que c'est vrai que tu regardes un jeu comme The Witcher, il vaut mieux le faire sur PC si tu peux. Malheureusement, sur console, il est magnifique, mais on voit quand même que techniquement, Bah, le mec qui le fait sur One X ou PS4 Pro, s'il a été optimisé Je ne sais pour pas ces s'il a été consoles-là. optimisé, mais en tout cas, c'est au point de vue niveau framerate. C'est plus. C'est parce que tu vois, maintenant, j'entends des PCistes parler que sur certains jeux, ils sont à 240 FPS. Du coup, nous, déjà, si on pouvait avoir 60 et voir certains jeux à 120, ça serait bien. Bah, Parce après, que ils ont pas c'est. les. Je pense qu'ils ont besoin de. Enfin, je vais peut-être dire une grosse connerie là. Peut-être, Mais ce n'est pas la c'est que les première mecs fois. ils jouent sur des moniteurs qui tournent à 120 Hz déjà de base, je Ouais, crois. non, forcément. Donc, t'as Donc forcément besoin ouais, de plus d'images par seconde après plus derrière, d'images mais par bon. seconde. Mais après, c'est plutôt ça. Et c'est pour proposer des mondes que je pense qu'un jeu comme Cyberpunk Ah oui, 2077, ouais. 2077, lui, tourne, enfin, a besoin de plus de puissance. C'est clair Non, mais alors, tu vois, je te refais le parallèle avec ce qu'on a vu à l'E3 chez Sony. Par exemple, Ghost of Mais Tsushima. alors, beaucoup de gens te disent que ça tournerait pas sur Pro. Bah, pourtant, moi, ça me choque. Enfin, je trouvais le jeu super beau, mais à aucun moment, je me suis dit, ah putain, c'est du bullshit, ça tournera jamais sur une PS4 Pro ou même une PS4 standard Mais avec si quelques c'est un concessions. monde ouvert et que. Enfin, je sais Ouais, mais pas. tu trouves ça trop Non, impressionnant non, pour pas que ça trop tourne impressionnant, actuellement? mais peut-être que ça tournera de façon Moi, encore plus optimale. Mais alors, moi, Ouais. ce que je veux dire, c'est que. Est-ce que tu es d'accord avec moi que, de toute façon, les prochaines PlayStation et Xbox seront. On va vraiment rentrer dans l'iPhoneisation. Au même titre qu'aujourd'hui, tu achètes un Ah jeu oui. qui est optimisé pour PS4 Pro et tu peux y jouer sur PS4 normal, là, tu vas pouvoir. Ton jeu va sortir sur l'écosystème PlayStation. Pendant 1 ou 2 ans, tu vas, comme pour les applis iPhone, c'est-à-dire que tu as Ouais, bien des. sûr. Bah, tu vas pouvoir jouer à tes jeux PlayStation sur PlayStation 4, PlayStation 4 Pro et PS5. Après, un bout d'un moment, tu pourras y jouer que sur PS4 Pro et PS5. Et puis après, ça sera PS5 et PS5 Pro. Et en fait, je pense que ça serait même bienvenu que les deux enlèvent tout simplement le numéro derrière, que tu joues Bah, sur c'est ça, PlayStation ouais. et C'est Xbox, ça soit ça. des écosystèmes, et que du coup, tu aies chaque année, ou peut-être pas tous les ans, parce que je pense que Ouais, c'est. tous les 2 ans. Tous les Tous deux les ans, tu as deux une ans, nouvelle machine ouais. qui arrive un peu plus puissante et qu'au bout d'un moment, bah, avec un numéro de version derrière, PlayStation 10, PlayStation, qui soit Non, mais uniquement un numéro de carrément, ouais, version, et puis carrément. que du coup, c'est juste pour savoir si ton jeu va tourner dessus. Donc tu as une PlayStation 4, tu vas peut-être pouvoir continuer à jouer, mais dans des conditions qui sont de moins en moins optimales, même peut-être que si tu as un iPhone 5 aujourd'hui, tu as un peu mal au cul, mais c'est pas grave parce que derrière, tu auras toute une gamme ou de PlayStation 4, 5 d'occasion, de PS5 Pro neuve, etc. Tu vois, donc ça va aller. Et puis ça va pousser à fidéliser en fait le Yankee, tu comprends? Le Ouais, client. le Yankee va être. Non, mais de toute façon, Non mais ouais, c'est mais comme après, ça. non mais en plus, alors je pense que qu'encore plus que les générations précédentes, ouais, tout ce qui est recherche et développement des prochaines machines, je pense qu'ils ont plusieurs. Ils partent sur plusieurs propositions à la fois, tu vois, en fonction de comment le marché va évoluer. Voilà, dernièrement, il y a eu pas mal de bruit autour de Google qui se préparerait aussi à préparer. Mais ce serait pas étonnant. Aujourd'hui, hein, Ah comme c'est des non, mais alors architectures imagine. Non, PC. mais carrément pas. Non, mais le pire, c'est que. Donc, bah là, je fais surtout référence écho à la vidéo que je trouvais super pertinente et intéressante de Julien Chies, tu vois, sur le sujet, sur la Google Yeti. Mais en fait, du coup, tu te dis, putain, imagine, bah, t'as Google qui s'introduit sur le marché. En plus, je pense que s'ils le font, eux, ils vont y mettre les deux pieds, les deux poings dedans, tu vois, et quelque part, ça va remuer C'est un peu le. qu'attention parce que Google, ils ont quand même le chic, tu vois, de rentrer dans des trucs et puis pas faire les choses à fond, puis les abandonner aussi, quoi, tu vois. Donc, c'est pas. Bah, ils avaient fait. Ouais, après. Non, sur pas mal de trucs, tu Tu vois, des fois. penses au Nexus en smartphone, par Voilà, exemple? par exemple. C'est con parce que c'était des super C'était. smartphones et Bah qui. ouais, et pas cher, tu vois, au bon rapport à la qualité-prix, Et au avec. final, tu vois, tu sais pas pourquoi, c'est a été Ouais, c'est abandonné. vrai. Donc. Mais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, Mais après, n'importe qui, en toi. fait, peut arriver demain avec un écosystème. C'est-à-dire que t'as juste à monter un PC avec des bons composants, proposer une interface et
Demain, qui c'est qui empêche de faire tourner des versions de, tu vois, de vendre un PC avec Steam dessus? Non, non, ouais, mais alors, attention, parce que là, on reste quand même, dans ce que tu dis là, on resterait dans un modèle, De voilà, Steam Machine. Steam Machine ou hardware qui a besoin de puissance pour faire tourner les jeux. Voilà, je pense qu'après, le marché va s'ouvrir vers une offre basée sur en totalité ou en partie sur le cloud gaming, voire même imaginer une même machine qui est déclinée en deux. Par exemple, tu peux imaginer une PS5 qui est déclinée en version physique hardware. Donc avec les jeux qui tourneront grâce à la machine que tu as dans ton salon, tu peux imaginer une box PlayStation qui serait très pauvre techniquement parlant, mais qui tournerait que sur le cloud. Tu vois, tu peux imaginer plusieurs offres au sein Ouais, ou alors qu'ils du même fassent comme les deux, écosystème, tu tu vois, quand vois. t'as Apple Music, tu peux, tu, bah, quand Oui, voilà, oui, par exemple, t'es en oui, Wi-Fi ou aussi. que t'as que, ça dépend le forfait, etc., tu peux balancer tes morceaux tranquillement et tout. Tu sais que tu vas partir un peu dans une zone où il n'y a pas trop de morceaux, tu Ouais, télécharges à tu télécharges l'avance à tes morceaux et l'avance. puis tu les fais. Enfin, il y aura cette offre-là. Tu Et donc peux. Ouais. Google, comment ils peuvent s'intégrer là-dedans? Ah ben Google, je pense qu'eux, ils vont partir vraiment sur du cloud à 100%. Où là, justement, tu aurais la promesse vraiment de jouer à tout leur catalogue. Et j'imagine une box qui te vendrait pour brancher sur ta télé, tu vois. Ou même ne serait-ce qu'une clé, comme une clé Google Chromecast, tu vois. Que tu branches en HDMI sur ta télé, donc en fait c'est transparent dans ton salon, tu as juste la manette. Tu peux jouer dans ton salon, sur ton smartphone tu aurais l'application, tu perds ta manette dessus, tu vois. Mais ça, Tu on passe aurais. sur du cloud gaming. Ouais, moi Google je les vois faire vraiment que du cloud gaming, tu vois. Et si Google arrive dans 2 ans à faire que du cloud gaming, forcément que les autres. Ils vont pas pouvoir rester sur leur modèle actuel. Après, tout dépend Mais alors, on sait comment la sauce qu'Xbox, se prend, tu à la vois. fin de la conférence Xbox à l'E3, ils ont été très clairs. Ils travaillent déjà sur une prochaine machine. Ils travaillent sur améliorer au maximum le Game Pass et sur un service de cloud gaming. Ouais, voilà, oui. Donc Non, mais Microsoft, oui. ils sont des. En plus, Microsoft, ils ont l'infrastructure Ah oui. avec leurs serveurs Azure, etc., qui sont unanimement utilisés par tout le monde. Ils ont l'infrastructure. Enfin, à mon avis, à l'avenir, ce sont eux qui vont avoir un avantage concurrentiel, quoi. Ah ben moi je pense que plus que jamais les cartes vont être redistribuées encore plus qu'avant, tu vois. Là actuellement t'as Sony qui cartonne avec la PS4 et qui seront jamais rattrapés, enfin durant cette génération entre guillemets là. T'as Microsoft qui tire la patte, t'as Nintendo qui revient. Il suffit qu'il y ait un quatrième acteur qui arrive, Google par exemple, et que les modèles actuels reposent plus sur du cloud gaming que sur du hardware brut, ben entre guillemets, les derniers seront les premiers, tu vois, parce que je vois Sony les moins bien armés sur ce terrain-là, tu vois, en fait. Et si entre deux, Ils ont quand même t'as. le PlayStation Now, tu vois, qui existe déjà. Ouais, Bizarrement, c'est eux qui ils ont les ils infrastructures. sont déjà dans la Ouais, c'est course. sûr. Donc c'est Mais je. assez. Après, je pense que pour ces questions-là, de point de vue technique, Microsoft et Google auront, à mon avis, beaucoup, et surtout Microsoft, beaucoup plus De ressources, hein. de ressources. Mais on n'est pas, enfin, on n'est pas du tout dans le saint des saints de chez Sony pour savoir. Mais moi, limite, j'ai peur. Enfin, j'ai peur. À la limite, je m'en fous, tu vois. Après, je ne suis pas affilié à une marque en particulier. Si demain, Microsoft me tente plus, j'irai chez Microsoft et pas chez Sony, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que j'ai peur que sous l'effet de leur position ultra dominatrice et de leader sur la génération actuelle, j'ai peur qu'ils veuillent rester sur des bases actuelles pour la prochaine génération, Sony, et que du coup. Les autres les grillent parce que ils vont prendre plus de risques, tu vois, là où Sony va peut-être vouloir se reposer sur une formule actuelle, tu vois, un peu par péché d'orgueil ou d'arrogance, tu vois, entre guillemets, comme ils ont Je déjà pu le vois. faire par le passé. Et derrière, les concurrents qui vont devoir proposer quelque chose de plus novateur et de plus en phase avec l'évolution du marché, des connexions et des habitudes des gens, tu vois. Quelque part, Sony peut vraiment, s'ils s'ouvrent pas suffisamment, s'ils ont pas assez le Ouais, nez mais ça, c'est de fin. la spéculation. On peut pas savoir Ah ce non, qu'ils là, ont c'est de la prévu, spéculation. etc. Mais déjà, a priori, en interne, ça a beaucoup bougé ces derniers temps, tu vois. Ils étaient partis sur une idée pour la PS5, ils ont un peu changé en cours de route, ils ont un peu retardé, ils retardent un petit peu l'échéance. Je pense que tout le monde est en train de se Oui, tout le regarder un monde peu est en en. chaîne de fusil, tu Ouais, vois. alors, mais je pense que de toute façon, il y aura encore une prochaine génération de machines. Et je pense que
ça serait présomptueux Mais je sais de. pas, tu vois. Enfin, Non, tout non. dépend de ce qu'on entend par génération de Non, machines, non, tu mais vois. pour le problème, on en a déjà parlé, c'est que à l'échelle du marché global, même à l'échelle du marché américain, il n'y a pas l'infrastructure réseau suffisante pour pouvoir Non, satisfaire tout non, le monde. Donc ouais, mais. tu es obligé d'avoir une machine physique, sinon tu perds de la clientèle. Donc Ouais, une oui, bien machine sûr. physique, elle existera. Après, la façon dont s'intégrera le cloud gaming qui va arriver, c'est sûr, ça dépendra de soit c'est une possibilité d'avoir des versions light avec uniquement du cloud gaming. Donc tu es sûr, tu as la fibre chez toi, elle marche du feu de Dieu. Tu sais que de leur côté, ça marche nickel. Bon, bah, tu n'as pas besoin d'investir 400 balles dans une console, tu t'en mets que 100. Bon, Ouais, par exemple, c'est ouais. 100 balles dans une 80 euros dans une machine. Voilà, c'est ça plus la manette, et puis c'est bon. Plus l'abonnement du coup au service cloud, hein, Exact, au plus forcément. l'abonnement au service cloud. Donc bon, alors au final, est-ce vraiment rentable? Tout dépend Ouais. Et puis, est-ce que tous les acteurs vont. Par exemple, si Sony balance un service de cloud, est-ce que Electronic Arts, Ubisoft vont vouloir se mettre dedans ou vouloir avoir leur propre part du Eh gâteau? Quid de Netflix même? Est-ce que demain, un coup de tonnerre Netflix, tu vois, Ah, qui est. pourquoi pas, ouais, Tu vois, pourquoi pas. il pourrait, tu vois, y réfléchir à ça. Est-ce qu'il y aura des alliances qui vont pouvoir se faire? Quelle est la position de Nintendo? Tout ça, c'est vraiment, on est dans une période un peu charnière. Et je Ah pense oui. que c'est pour ça que, d'un point de vue créatif, on est peut-être dans une période un peu moins productive d'un point de vue créativité. On est plus dans une période justement de sécurité où les gens jouent la sécurité tranquillement. Assassin a très bien marché l'an dernier. Je pense que ça s'est décidé. Il n'y a pas si longtemps que ça de sortir un Assassin en fin d'année, tu vois, c'était histoire de. Je pense que si Assassin. Tout dépend comment avait fonctionné Assassin's Creed Odyssey, s'il avait fonctionné différemment, ils auraient peut-être attendu un peu plus avant de Non, balancer. Origins. Oui, l'inverse, Origins, ils auraient balancé un peu plus avant Odyssey. Ouais. Donc si tu veux, on est dans une période un petit peu. Ah ouais, Un charnière, peu ouais. charnière où ces questions-là sont très importantes pour les constructeurs. En tout cas, il y aura, je pense, hein, tu es d'accord avec moi que tu es d'accord, une version physique de la PS5 et de la Xbox One. T'avais pas l'air Alors. convaincu, mais tu es d'accord Non, avec le fait que je suis d'accord avec ton tu peux pas raisonnement. t'en Non, mais après, priver tout, d'un point de vue. oui, d'un point de vue marketing Non, et mais tout ça. marché, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, même. Non, mais tout dépend de quel. Donc, combien de temps on parle, tu vois, c'est-à-dire Non, que. ça va, Roman, ça arrive en 2020, ça arrive, c'est demain. Ouais, 2020, C'est ouais. Ouais, non, 2020, oui, 2020, c'est-à-dire ouais, c'est sûr. que pour la, moi je te dis, c'est la transition, elle va se faire en douceur, elle va se faire que Non mais alors 2020. tu vois pas, non mais par exemple alors je oui alors effectivement on va oui on est d'accord 2020 on va dire prochaine bon on va dire PS5 PS5 et Xbox Next, ok. mais tu vois par Merde. exemple si tel est le cas moi personnellement je pense que je serais patient et que je sauterai pas dessus tu vois Day One tu vois par exemple comme j'ai pu le faire sur la PS4 par exemple parce que je pense que d'ici par contre, d'ici 2022, je pense que les choses vont beaucoup évoluer, tu vois. Alors, les PS5 et Xbox Next seront déjà sortis, mais je pense que même elles vont faire évoluer leurs offres. Et que j'ai peur que ce soit trop précipité, tu vois, de se jeter dessus en 2020, alors qu'on sera encore à l'orée de grands changements dans la façon de consommer le truc, tu vois. Je sais pas. Bah, J'ai du mal à me dire. En fait. ces grands changements, le problème c'est qu'ils ne dépendent pas des constructeurs, ils dépendent des infrastructures Ouais, non, je réseau sais, bien sûr. qui en plus sont très différents d'un pays à l'autre. Tu vois, moi je suis dans une région qui va où la mer et la montagne en une heure tu y es, donc c'est très compliqué. Tu peux avoir de la fibre à un endroit et puis. Tu fais un quart d'heure de Ouais, bagnole et ouais, tu te ouais. retrouves en pleine campagne où tu as un méga. Donc, c'est une réalité qui n'est pas uniquement réservée aux Alpes-Maritimes où j'habite, mais c'est à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde. Non, Aujourd'hui, les évidemment. marchés, même en Angleterre, pas tout le monde a la fibre. Et c'est des marchés énormes. Angleterre, Allemagne, France, États-Unis, c'est des marchés colossaux. Et tu peux pas te dire, et même en 2022, est-ce que tout le monde sera fibré? Quelle sera la. Non, mais Donc. ce sera plus les réseaux mobiles qui vont prendre le relais, je pense, tu vois. Oui, Plus la mais. 5G éventuellement, plus que.
Là encore, il y a des énormes disparités, tu vois, en termes de couverture. Non, et évidemment. De puissance, donc ah, mais non, c'est juste que j'ai honnêtement, j'aurais un mal fou à imaginer qu'en 2020, la PS5 sorte. J'ai du mal à imaginer le prochain cycle comme étant un peu figé, tu vois, entre guillemets. Non, non, le prochain cycle, ça, je suis d'accord avec toi, c'est le début d'une nouvelle ère. C'est-à-dire que on a mis le pied avec PS4 Pro et Xbox One X. Globalement, on n'a pas trop les chiffres, mais je pense que la One X marche bien. Justement, je voulais en parler tout à l'heure, après ça m'est sorti de la tête. Non, tu non, as des chiffres, toi? Alors, j'ai pas des chiffres, j'ai des tendances. Non, apparemment, la One X par rapport à la PS4 Pro, mais ça pèse que dalle, quoi, tu vois. Non, mais allez, mais c'est un peu le problème Xbox, PS4 tout court. C'est plus dans les volumes de vente d'Xbox en général, je pense qu'il y a un. La proportion de One X par rapport à la Xbox One depuis la sortie de. Bah, apparemment, mais même. Ils avaient l'air contents, apparemment, de chez Microsoft. Donc, mais j'ai l'impression que le soufflet est vite retombé. Tu vois, t'as eu une. Une hype autour de la One X, voilà, avec le discours qui est bien passé, la machine un peu puissante et tout. C'est dommage, hein, parce que objectivement, c'est vraiment ma machine de jeu principale, parce que le confort apporté par juste des jeux qui ont été patchés, donc qui n'ont même pas été pensés pour, mais c'est le jour et la nuit sur certains jeux, c'est juste hallucinant. Je refaire Quantum Break par exemple, c'est un pied monstre, un pied monstre. Ouais, mais j'ai plein de gens, alors j'allais dire encore sur les forums, on va dire sur les réseaux sociaux, qui ont la One X et qui hésitent et qui veulent la revendre, tu vois, qui sont pas, qui avaient aussi une PS4 Pro en parallèle, tu vois. Oui, mais après ça dépend, il y a beaucoup de jeux d'éditeurs tiers, c'est vrai que si tu te focalises que sur le catalogue Microsoft, on va revenir sur le même débat qu'on a fait avant le 3, machin truc. De toute façon, ça mettra du temps pour que leurs nouveaux studios et les studios existants mettent des jeux. Oui. Mais bon, en tout cas, on a mis le pied avec ce qui était. Tu te rappelles, hein, parce qu'on était parmi les premiers à parler de consoles mid-gen sur la presse jeux vidéo française, en tout cas. Et c'est vrai qu'au début, les gens, il y avait une levée de bouclier énorme. Et puis au final, c'est passé crème, comme on l'avait dit. Ça a été adopté. Je trouve que c'est une bonne formule, ça, tu vois. Finalement, oui, c'est une bonne formule. Moi, je suis pas avec content. J'ai revendu mes machines à 200 € pièce, même 250 la PS4. Finalement, j'ai fait des bons. C'était très bien amorti, tu vois, j'ai investi pas beaucoup pour avoir un matériel à la pointe, donc ça a été acquis déjà. Donc la PS5 et la Xbox Next seront rien d'autre à mon sens que des PS4 Pro des Xbox One XX, mais avec des nouveaux numéros, parce que je pense que d'un point de vue marketing et d'un point de vue, il faut amener un nouveau souffle par rapport au public, comme tu dis iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, tu vois, c'est ça exactement. L'iPhone 6 n'est rien de plus, exactement, n'est rien de plus qu'un iPhone 5S plus, bon, peut-être pas les, parce qu'il y a la taille, le 7S et le 8 je sais pas quoi, c'est uniquement des variations de l'iPhone 6 qui sont voilà, et donc ça va être la même chose, mais d'un point de vue marketing, on a besoin de ces repères là quitte à ce que progressivement on s'affranchit. D'ailleurs, quid cette année d'Apple, est-ce qu'ils vont appeler ça iPhone tout court ou iPhone X2 ou rester dans la, parce que tu vois, MacBook, tu sais, t'as juste un MacBook, c'est 2011, mais tu sais pas, c'est pas le MacBook 4, c'est pas le. Donc, c'est juste avec les années maintenant. Et c'est exactement, donc là pourquoi pas, tu vois, PlayStation 2018 ou PlayStation 2020, carrément, etc. Et que petit à petit, les services de cloud, etc., soient intégrés dedans. Mais alors, est-ce que tu as des... Moi j'ai un souhait, c'est d'avoir une DualShock 4, une DualShock 5 du coup, qui soit remaniée. Je suis désolé, ça va pas te faire plaisir, mais. Objectivement, le pavé tactile prend trop de place et n'est pas suffisamment utilisé pour qu'on le garde. T'es d'accord avec moi ? Ouais, attends, mais c'est dans quel jeu récemment que j'ai fait ? C'est dans Detroit. Ah oui, mais attends, mais comment... Attends, mais t'as quelle feature avec le pavé tactile déjà dans Detroit ? Non, c'est rien d'autre, enfin rien qui aurait pu être foutu. Non, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire déjà avec ? Je sais même plus, tu vois. Du coup, sur le coup, ça m'a marqué, et maintenant, je sais plus. T'as quoi comme fonctionnalité avec le pavé tactile sur Detroit ? Est-ce que je suis en train de me demander s'il y avait vraiment du pavé tactile, tu Mais me si, doutes, si, si, ouais, je suis quasiment sûr. Parce il y a que le gyroscope aussi, qui est chiant d'ailleurs. Mais... Ouais, le gyroscope c'est chiant parce que la manette, tu la tiens, enfin, c'est pas pratique vu la. Non, mais peu importe, de toute façon, quel jeu vraiment utilise le pavé tactile de façon intelligente. Bah, t'as eu Tear Away qu'il a utilisé de manière. Ouais, Tear Away, mais parce que ça reprenait plutôt une idée de PS Vita. Bien sûr.
Mais voilà, Non, c'est... mais ouais, mais ouais, mais ça veut pas dire que ouais, mais alors moi ça reste une déception parce que ça veut pas dire qu'ils l'ont pas utilisé, qu'il n'y avait pas matière à l'utiliser, tu vois. Je prends ne serait-ce que la navigation dans le menu de la PS4. Pourquoi on sait depuis le début, moi je me suis dit putain. Mais ça, t'as raison, on en avait déjà parlé, ouais. Bah C'est ouais, tellement plus tu te intuitif. sers du trackpad comme du palier tactile pour naviguer dans le menu, putain. Rien que ça, tu vois, rien que Mais ça. en tout cas, je pense que ça va pas être reconduit. Ah non, malheureusement, Non, ouais, mais pour outre moi ça, c'est. ce qui est vraiment important, c'est d'avoir la symétrie des sticks. Ça, c'est vraiment... C'est Ouais, bon, ouais. ça. Ça, c'est vrai que quand tu repasses à la DualShock 4, c'est toujours... Enfin, t'as vraiment l'impression d'un retour en arrière. C'est une bonne manette. Et je sais que parmi nos auditeurs, il y a quelques-uns qui préfèrent la DualShock 4 à la manette d'Xbox One. Mais globalement, j'ai fait l'essai avec des gens qui ne jouaient pas aux jeux vidéo. Dire laquelle vous préférez en main naturellement pour expliquer bon, que tu dois avoir un pouce sur chaque stick, etc. C'était unanime. Les gens disent, mais non, c'est plus naturel la manette Ah Xbox. évidemment, ouais, Elle est, carrément. pour moi, la manette Mais d'Xbox One est parfaite. je pense même qu'elle a fait école, tu vois, la manette Oui, parce Xbox que One, les c'est-à-dire. manettes Nintendo Pro maintenant reprennent ce modèle-là. Bah c'est ça, ouais, c'est vraiment le form factor à adopter, tu vois, la manette Xbox One. Bien sûr. Carrément. Ouais, comme tu dis, la manette Pro, putain, d'ailleurs, putain. Franchement, ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai la Switch, que je me dis, putain, à l'occasion, faudra quand même que je me prenne la manette Pro, là, ça devient urgent, je. Ah oui, non, c'est sûr Rien, que... non mais ça dépend des jeux, tu vois, dans Mario Tennis ça passe, le Joy Grip, dans Crash Bandicoot c'est insupportable cette manette Switch parfois pour certains jeux Ah qui non, non, mais sont même, enfin au moi pixel près, c'est l'horreur je le comprends Joy pas que Grip là, j'en peux cette plus. croix directionnelle, je comprends pas, Ah non, ouais, c'est là. pas... Enfin, en plus, Nintendo, ils avaient les meilleures croix, ils ont la Ah meilleure croix, elle est patentée, ouais. quoi, donc... Donc ça, est-ce qu'au niveau interface, tu attends autre chose de ces machines? Écoute, c'est bizarre. Comment te dire? J'ai peur de passer pour un fanboy là. C'est terrible, hein. Mais c'est vraiment pas par fanboyisme ou par un sexisme aigu, tu vois. C'est juste que Merci. bizarrement, tu. On m'a Non, déjà bizarre. fatigué. Bizarrement, je préfère la... On sait que tu préfères la Switch, mais on Non, pourra non, 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 parler. même pas. Non, il y a des trucs qui m'énervent sur Switch, attention. Non, c'est juste que bizarrement, l'interface de la Switch, par exemple, dès le début, je me disais, tu sais, au début, on a tous été un peu surpris en se disant, putain, c'est quand même pauvre, tu vois, il n'y a aucune fonctionnalité, c'est très sommaire, c'est très basique. C'est Et en vrai. parallèle, bon, tu as les interfaces des deux autres machines qui ont gagné en maturité, tu vois. Mais en fait, à l'usage, je m'aperçois que. Ça me casse les couilles de naviguer dans l'interface de la PS4. En fait, j'ai l'impression que c'est une usine à gaz en comparaison. L'accès au store, il est long. Je sais Oui. pas. Et Alors ça oui, c'est... en fait, je m'aperçois que finalement, je m'en fous de l'interface. Et c'est pareil que Netflix. En fait, l'interface, elle est super sommaire, elle est super basique. Moi, ce que je recherche maintenant dans une interface, c'est l'instantanéité. Tu vois, Non, même que bien ce soit sûr. le. Non, mais justement, Alors, je. moi, celle de la PS4, je trouve qu'elle fait le job, surtout depuis qu'on a les dossiers, finalement. Bon, bah, t'as tes dossiers, machin truc. Après, j'aime pas trop le côté la barre au-dessus, la barre en dessous. Tu vois, Ouais, je pense ouais, que ouais, ouais, juste ouais, une ouais. icône ou justement intégrer peut-être un dossier avec tous ces trucs-là dans la barre. C'est ça, ouais. Le J'aimerais que ce soit PS plus Store, il faut épuré. qu'il soit revu, ça c'est clair et net parce que Le c'est quoi? Pardon, j'ai pas le entendu. PlayStation Store. Il faut qu'il Ah oui, soit le store, revu. ouais. Après, moi j'aime bien l'interface de la Xbox, tout n'est pas parfait, mais eux ils travaillent vraiment dessus. J'ai l'impression qu'on arrive un peu, même cas de figure que l'iPhone, on a tous envie à chaque fois qu'ils présentent iOS depuis quelques années. D'avoir un truc, et puis plus les années passent, plus en fait là ils ont annoncé iOS 12, et puis au final il y a zéro Parce que changement. ouais, mais parce que je Parce pense qu'en que là fait, aussi. t'arrives à un moment donné à Bah une ouais. maturité totale où tu te dis on va changer pour changer. Alors j'attends de voir, tu vois, par exemple, si Google s'introduit vraiment dans le marché du jeu vidéo J'aime en bien tant leurs que tel. interfaces en Bah général. moi aussi, alors je suis très curieux de voir, ne serait-ce qu'en termes d'interface, qu'ils peuvent proposer, tu vois. Je Mais pense ça que. va plus être des menus, des trucs, enfin de l'apparence plutôt que Non, de que la la fonctionnalité. fonctionnalité. Non, on est d'accord. Moi j'aime bien, franchement, la Xbox One X, je kiffe, tu vois, le store il est ultra réactif, il y a des trucs qui vont pas, notamment, je pense que la page d'accueil elle peut être encore optimisée, par contre tout ce qu'il y a autour c'est nickel, quoi. Il y a encore peut-être trop de restaillons de l'interface, la Non, mais première alors et tout. par contre. Ah, vas-y, vas-y, Non, finis, non, non, finis. mais je voilà, je, moi je pense que
pour ces deux machines, même pour ces trois machines, on est arrivé plus ou moins à une espèce de maturité où, bon, globalement, on est dans des interfaces où les icônes sont carrées, c'est très rectangulaire et très segmenté entre sections, et avec la possibilité de faire des dossiers, et puis voilà quoi. Ouais. Attends, juste parce que j'ai une dizaine. Ouais, il me restait, putain. Il me restait une dizaine de minutes devant moi. J'allais dire, non, moi j'aimerais surtout. Voilà, outre la puissance des futures machines, outre le modèle économique qu'ils vont nous proposer, moi j'espère. Attends 2 secondes. Hein. Oui, alors Roman est en plein babysitting avec une future joueuse de PS5 ou de PS5 Pro. Donc je ne sais pas ce qu'il allait dire, je ne sais pas ce qu'il attendrait. Moi, franchement, ce que j'attends, c'est voilà, des machines qui soient réactives. Ça, c'est sûr que Pardon, ouais. la réactivité des machines, c'est ce que j'attends le plus. C'est-à-dire que vraiment, Oui, j'ai. comme fin, Pardon, la ouais. Switch ou même la enfin moi ma PS4 Pro et ma Xbox One X débarquent rapidement et tu reprends les jeux. Oui. Non, j'attends aussi, voilà, qu'il nous laisse la possibilité, alors, pas forcément comme en calquant le modèle de la Switch ou encore quoi que, mais qu'on ait la possibilité vraiment de pouvoir déporter son jeu avec Ah oui, beaucoup plus de flexibilité qu'aujourd'hui, tu vois. alors ça c'est peut-être. On sait que la Switch a été. Enfin, le succès de la Switch ne laisse personne indifférent. Ah ouais, Et du forcément, ouais. coup, est-ce que. Moi, c'est ce que j'étais en train de penser. Si l'écosystème. Enfin, c'est sûr, il restera le même. Donc, architecture PC. Tu vois ce que Ouais, je veux ouais. dire? Donc, que demain, on puisse avoir peut-être une PS4 portable, en fait. Donc, tu as ta PS5 chez toi et tu as les versions PS4 un peu downgradées qui Ouais, tournent. moi. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait intégrer ça, mais c'est vrai que je pense que la bataille du jeu nomade, étant donné en plus que les portables. J'ai l'impression que les gens jouent beaucoup moins sur téléphone portable qu'à une époque. Je pense qu'il y a ce créneau qui est un peu vacant. La 3DS. Même si Nintendo continue de la soutenir, elle est en perte de vitesse et c'est une porte d'entrée pour les enfants, qui est très bien. Ouais, Après, pour les ouais, adultes, tu as la Switch, mais qui n'a pas encore opéré totalement le virage portable, on va dire. Ça reste, à mon sens, toujours une console de salon ouais. dans les jeux. Dans les jeux. Après, la philosophie, on sait qu'il y a la Mais moitié. justement, ouais, non, mais justement, moi, c'est. Oui, Et donc, pour mais moi, il c'est y a un vrai pas. créneau à prendre sur le jeu. À emmener partout. À mon avis, il y a de la place. Il n'y a pas de la place que pour la Switch. Non, mais c'est pour ça que moi je te dis, enfin, moi honnêtement, demain, Sony nous dise, écoutez les gars, voilà, la PS5, c'est rien de plus qu'une PS4 actuelle, voire une PS4 Pro sur le modèle Switch, c'est-à-dire que tu peux emmener partout. Moi ça me va en fait. J'ai pas, enfin, je préférerais qu'ils partent là-dessus plutôt que sur un modèle plus puissant qu'actuellement. Alors Alors moi je me non, parce que souviens. moi je suis vraiment pas. Enfin, Ouais, je après voilà, me. on n'est pas dans la même. Ah non, mais moi je me rends Je compte comprends, je que le jeu comprends. vidéo, c'est vraiment un truc que je fais chez moi sur mon canapé. Non, mais je Après, à partir comprends, du ouais. moment où je sors de chez moi, c'est pour faire autre chose. J'aime tellement en fait le. Non mais J'aime sans parler, mais me. non mais même sans parler de sortir de chez soi, tu sais, des fois même, ouais, après, bon, après on n'a pas la, oui, si on n'a pas la même Après, vie et c'est tout, pas la même vie, forcément. Non mais je même comprends, ne mais. serait-ce que chez soi, des fois je prends ma Switch pour jouer ailleurs que dans le salon, tu vois, peu importe. Bah moi, chez moi, enfin, j'ai ma chambre, mais j'y vais pour dormir, tu vois. C'est vraiment un lieu de repos. Vraiment, bon, après, c'est une philosophie que j'ai adoptée depuis quelques temps. La télé ne marche même plus dans la chambre. J'essaie Ouais, de la non, on est vendre parce sûr. que je me dis, c'est vraiment le lieu de repos où j'y vais. J'arrive, je ferme la fenêtre, je ferme les volets. C'est un lieu de repos et je me dis, bon, mais si je veux jouer. Mais après, je comprends. Mais même l'autre jour, j'avais rendez-vous chez le médecin. J'ai pris ma Switch avec moi et. J'ai pas joué en fait, j'ai préféré lire un bouquin que je Oui, non, mais je et comprends, j'ai ouais. fait quelques petits enfin je suis parti en voyage et tout et j'avais cinq j'étais passager enfin on se relayait pour conduire. Il y avait 5 ou 6 heures de trajet, j'ai peu joué à ma Switch en fait. Oui, J'ai non, joué un encore, petit voilà. peu, tu vois, mais Ouais. après je me suis dit bon bah il y a des paysages. Enfin, après, c'est peut-être une philosophie, c'est peut-être moi, mais je sais que là, beaucoup de gens. Enfin, je voyais mon pote François, il disait tiens, j'attends mon vol pour Paris en jouant à Splatoon 2 à l'aéroport. Et je me disais tiens, c'est cool, mais moi, je me vois pas, tu vois, je me serais vu faire autre chose en fait. Je me serais vu.
J'ai pas du tout le réflexe comprends. Jeu vidéo portable, en fait. C'est marrant. Bah, alors, attends, est-ce que par exemple, si vraiment demain vraiment les jeux vidéo ils s'intègrent de manière transparente dans le smartphone, parce que finalement le smartphone c'est peut-être l'objet mobile le plus qui nous suit le plus et qui peut parfois le plus nous parasiter, tu vois, quelque part. Si demain c'est au cœur du smartphone vraiment tes jeux traditionnels que tu peux auxquels tu peux accéder, genre, tu vois, je continue mon God of War, tu seras plus tenté, tu vois, oui, quelque part. Alors, du coup je vais chez le médecin, je dois sortir ma manette, je dois amener ma manette quand même, parce que enfin on a bien compris qu'on ne peut pas jouer sans manette. C'est pas grave éventuellement, mais je me dis, mais est-ce que je préférerais pas me garder ce tu vois ce moment de jeu, ah oui, pour chez toi tranquille, tu vois, même quand il y avait Zelda. Ah oui, j'ai finalement oui. peu joué, parce que des fois j'étais là, je me dis, je préférais y jouer avec ma manette pro sur mon canapé. Oui. Bah après, c'est sûr que. Oui, après, c'est. Ouais, tout après, dépend c'est de la une philosophie, tout mais. Non, mais tout dépend cas, aussi c'est... de la possibilité de chacun. C'est sûr que. Enfin, voilà, enfin, si t'as ton appart pour toi, donc forcément, tu peux. À une autre époque, dans une autre vie, je pense que quand j'étais avec Victoria, je pense que ça aurait pu faire sens, parce qu'elle utilisait beaucoup la télé aussi. Après, pour moi, elle en fait, je serais à ta place, je raisonnerais pareil que toi. En fait, je comprends tout à fait ton raisonnement. Oui, mais c'est vrai que logique. On est tous différents. Enfin, après, ça dépend. Mais ça c'est dépend vrai que j'ai jamais chacun, été, en fait. Même quand j'avais la PS Vita ou quoi, que je faisais du remote play, ou même avec la Wii U, c'est vrai que je me rends compte que je suis pas du tout un joueur nomade. Mais c'est une proposition qui marche. Et pour revenir au sujet, parce qu'il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Je pense que c'est une proposition qui va être que quelqu'un va continuer à suivre. Je pense aussi que la réalité virtuelle. Est-ce que la réalité virtuelle sera mieux intégrée? Probablement que Sony va pas lâcher l'affaire une fois qu'ils ont quand même dépensé pas mal en recherche. J'ai pensé à toi, je pense que t'es aux anges, t'as Tetris Effect qui sort bientôt là. Il faudrait que je le rebranche, mon VR. Putain, j'ai vu passer une offre sur D-Labs l'autre fois, mais c'était dans quel carrefour, à quel endroit. Putain, le PSVR nu, sans la caméra, sans rien. Mais bon, quand même, quoi, 149 euros. Je me dis, oh putain. C'est pas cher. Ça vaut le coup, ouais. Ça vaut le coup. Et donc, bon, les dates de sortie, je pense qu'on peut tabler sur 2020. Annonce en 2019 et... Alors attends, annonce en 2019, ça veut dire qu'à l'E3 prochain, ils en parlent, tu vois? Ils en parlent, et puis 2020. Moi, je pense que ça va dépendre. Ça va dépendre de l'évolution du marché. C'est-à-dire que là, pour moi, ils se laissent plusieurs scénarios, tous devant les yeux, plusieurs possibilités, plusieurs orientations à prendre. Pas plus tard que 2020. Ça pourrait même arriver dès 2019. Ah, ça me paraît tôt, moi. Non, moi, ça me paraît pas tôt du tout. Vraiment, par rapport... Ben, tu vois, le problème, c'est que si Microsoft dégaine, les mecs, ils sont obligés de dégainer. Ben voilà, ben c'est pour ça que je te dis qu'à mon avis, ouais, ça va dépendre un peu de chacun. Tu vois, pour l'instant, c'est un peu un jeu de poker menteur, tu vois, je trouve, quelque part. Oui, c'est le jeu. C'est le jeu, tu vois, clairement. Mais je serais presque déçu que dès 2019, il y ait des prochaines machines qui sortent. Tu vois, j'aurais pas l'impression d'avoir exploité à mort la génération actuelle. Mais ouais, après, c'est peut-être nos façons de jouer qui ont changé. Je sais pas, il y a plein de choses qui font que, en tout cas... J'aurais l'impression que ça aurait été une demi-génération si l'année prochaine, il y a une nouvelle génération qui sort, tu vois. Bah, peut-être ça revient à ce que j'ai dit au début. Peut-être que comme on n'a pas eu l'impression d'être à fond dans cette génération, que... Je sais pas. J'ai eu des claques au début, parce que franchement... BF4, c'était une claque. Objectivement, je voyais un gap de génération quand même sur BF4. Ouais, mais encore aujourd'hui, Yannick, putain, God of War, ça nous a mis d'accord, tu vois. Oui, non, mais je veux bien, mais ça, c'est pas, même pas une question de claque technique. C'est plutôt des claques. Non, mais une claque d'expérience. Ça a été une super expérience, tu vois, God of War. Oui, mais c'était une super expérience, mais peut-être que c'était une super expérience, et peut-être c'est un peu à part. Regarde D3, c'est une super expérience, mais au final. La claque, c'est Heavy Rain qui me l'a mise dans ce genre-là. Et là, d'accord, tu vois, c'est quelque chose, ok, c'est un Heavy Rain un peu mieux scénarisé, un peu mieux foutu, machin truc, mais dans le principe de jeu. Ah oui, mais c'est pareil, regarde, demain, God of War, il serait sorti sur PS5, Detroit sur PS5,
On aurait eu la même expérience Non, qu'on je a eu sais, là, mais tu vois, en parce fait. que globalement, peut-être En que. fait, le problème, il vient pas tant des machines que des éditeurs, plutôt, en Non, fait, mais tu non, vois. mais moi je suis très content de mes machines et quand je vois tourner les jeux, je suis d'accord avec toi. Maintenant, si je me dis, bon, c'est quand je pense à certains jeux, je me dis, un truc ambitieux comme The Witcher et comme le prétend être Cyberpunk Cyberpunk, de ouais. 2077, comme Death Stranding, même si on plus on avance, moins on comprend un peu où est-ce qu'il veut en venir Kojima, mais s'il y a vraiment de l'ambition derrière, c'est y jouer dans des conditions techniques qui soient confortables. Pour pas avoir Ouais, bien sûr, bien The sûr. Witcher, des fois techniquement, ça rame un peu. Après, ça reste une claque. Tu l'as pas fait, mais ça reste une claque de Non, cette ouais. génération, au même titre que MGS5, etc. Mais voilà, c'est plus pour pouvoir jouer dans des conditions optimales à des jeux qui sont gourmands. On verra. Je pense qu'on va avoir un élément de réponse avec Red Dead Redemption 2, voir un peu comment ça tourne. Est-ce que les éditeurs tiers vont. Ben, tu crois que c'est lui le révélateur? Je sais pas, parce que. Non, c'est pas le révélateur, mais ça va nous donner aussi un indicateur de la forme du jeu AAA, d'un gros jeu Rockstar, du virage en ligne. Il y a ça aussi. C'est-à-dire que tu Ouais, c'est regardes, vrai, c'est vrai, c'est après, vrai. tu regardes le phénomène Fortnite aujourd'hui, ça tourne partout. Ah oui, sur des smartphones même Ça, assez basiques, ça ouais. tourne. Après, tu te dis, le phénomène PUBG, ils ont perdu la moitié des joueurs depuis janvier, t'imagines? Ils sont passés de 1 500 000 à 800 000, quasiment la moitié. Ah ouais. Donc tu vois, Ah tu vois, ouais. ça va très vite. Ouais, c'est oui, il y a plein de Y a choses sur le beaucoup de feu, tu vois, choses, en y a fait, il y a beaucoup de plein de choses choses sur sur le le feu. feu. L'industrie, je pense qu'elle est dans une période un petit peu. Tu te dis, ouais, mais regarde le Battle Royale, mais d'un autre côté, le premier gros Battle Royale est en train de se casser la gueule, alors que les mecs, ils ont même pas sorti leur BF ou leur Call of en mode Battle Royale. Donc tu vois, y a tout ça à prendre en compte. Et non, et dans tout. Tu m'as dit en plus que depuis tout à l'heure, quasiment, on a. Mais moi, le premier, tu vois, c'est pas un reproche. On s'est beaucoup focalisé sur Sony, Microsoft. Mais finalement, tu vois, dans l'équation, t'as aussi Nintendo, eux, qui font toujours un peu bande à Mais eux, part. Enfin, c'est ouf, quoi, tu vois, en on fait. sait, mais eux, ils font bande à part. Alors, un coup, quand ils sortent la Wii U, tout le monde s'en fout à part nous, quelques-uns, c'est de la merde. Ils ressortent la même chose sur Switch, ça devient du génie. Bon, le public est versatile, mais eux, leur position d'être en marge de tout ça, pour l'instant, ça leur convient. Et là, ils se font des couilles en or avec la Switch, et ils ont un trésor de guerre énorme, donc il n'y a Non, mais aucun souci à se faire. c'est dire à quel point le marché, il est riche, quoi, tu vois, il est diversifié, il Il est est diversifié, c'est surprenant. sûr, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que plus que jamais, nos deux acteurs entre PS4 et Xbox One ont des propositions différentes. Même si sur le papier, sur la PS4, tu as la VR, sur la Xbox One, tu as la machine la plus puissante. Enfin, tu vois, même au point de vue des jeux, c'est pas du tout les exclus, sont des philosophies Ouais, non, ouais, différentes, et c'est c'est vrai, bien. c'est vrai. Je Non, pense c'est bien, au qu'aujourd'hui, contraire, non, c'est le bien. marché à 3 est équilibré, on va dire à 4 avec le Ah PC, oui. c'est un marché qui est équilibré. Je pense que Microsoft, Sony et Nintendo sont contents de la situation actuelle. Je pense que Sony et Microsoft ne vont pas hésiter parce que quand la PS4 et Xbox One sont sorties, ils sont tellement proches. Je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas eu des discussions Ah via oui. intermédiaire, que ce soit via Intel ou AMD ou je sais pas quoi, ou même direct pour dire, bon, on va sortir nos machines, on a tout intérêt à ce que. Et puis même les éditeurs tiers, les mecs, ils ont. Plus le marché est uniforme, plus c'est simple pour eux. Donc, Electronic Arts, si les mecs ils leur disent, bon, vous êtes bien gentils, mais par contre, il n'y en a pas un qui part dans un sens et l'autre dans l'autre, parce que nous, ça va nous péter les couilles et ça va nous faire perdre du temps. Je pense que tout le monde, après, tout le monde est content. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ou même plus indirectement que ça, tu vois, c'est-à-dire que les mecs, les constructeurs, ils cherchaient des composants, tel composant pour telle puissance, pour tel prix, donc forcément, t'as pas 36 000 offres sur le marché pour faire ta machine, tu vois, donc quelque part, Oui, naturellement, les deux consoles, avaient naturellement, plus ou moins les mêmes mais caractéristiques, tu tu vois. peux toujours un peu tricher. Tu vois, Microsoft pourrait un peu tricher en payant plus cher certains trucs et puis en Ouais, amortissant ailleurs et tout. Donc bon, c'est sûr, ouais. en tout cas, voilà, Mais ouais. il est 11 h. Je sais pas si c'est l'heure pour toi de Ouais, décoller. il va falloir que je décolle. Mais du coup, limite, même pas pour moi en tant que consommateur, j'aurais trop envie vraiment que Google se lance dans le truc vraiment à fond pour voir un petit peu la réaction des autres, en fait. Plus pour ça que pour. Enfin, tu vois, pour voir un peu, j'ai envie de voir le marché se bousculer complètement.
ça serait assez. Je sais pas s'ils se bousculeraient en même temps avec Google. Je pense quand même que ça ferait un gros. Ouais. Alors, est-ce que Apple pourrait aussi être dans la danse? Est-ce qu'il pourrait y avoir des partenariats Mais il y a tellement d'acteurs qui sont. C'est par exemple qu'Apple et Microsoft s'entendent bien. Il y a des portages réguliers d'applications de l'un sur l'autre, etc. Ouais, c'est Donc, tu vois, c'est... tu vois, tout est permis. Moi, je pense qu'à terme, par contre, le jour où on sera parfaitement dans le cloud gaming, il y aura une appli Xbox à télécharger sur ton iPhone, sur ton Apple TV, sur ton Google Chrome. Soyons fous. Quand, dans 10 ans, tu me la fais, cette appli, là, c'est bon. En 2028, on y est à ça ouais, ouais, on y est, largement. Laisse tomber, j'aurai 45 ans, j'aurai 44 ans, putain. Ah, j'aurai 35 ans, moi, donc ça sera cool, quoi. Il sera temps qu'on y soit, quoi, putain, merde, quoi. Il serait temps, mais bon, en tout cas, c'est... moi, je suis quand même excité par cette... Par voir plus que par les nouvelles consoles en elles-mêmes qui vont juste être des PC d'aujourd'hui, ou de même des PC d'hier, étant donné le retard qu'on peut avoir. Ouais. Mais c'est plus des philosophies, voir un petit peu comment on peut optimiser. On a parlé de la manette, on a parlé du cloud, on a parlé d'interface, on a parlé de philosophie, de jeux déportés, et puis de certains succès de jeux vidéo comme Fortnite qui justement prennent le contre-pied de tout ce qui est genre course technique. Donc voilà. C'est bien en tout cas. Ça fait, par contre, juste pour dire, quand j'ai fait tourner Fortnite sur Switch, mon neveu il m'a dit... C'est marrant, ça tourne un peu au ralenti par rapport à... Il avait dit que le framerate n'était pas aussi bien que... Et après, quand on l'a relancé sur One X, on a dit, ah, là, c'est beaucoup mieux d'y jouer comme ça. Il y a une grosse différence, du coup, quand même. Il y a une différence. Après, là, il me dit, ce qui est bien sur Switch, c'est qu'il m'a dit, pendant que vous regardez le foot, moi, je peux me mettre sur le canapé et y jouer... C'est marrant, hein, donc. La perception des gens, et en tout cas, je pense que c'est une époque qui n'est pas forcément la plus bandante niveau pas dans main. Clairement, on a eu des époques un peu plus florissantes, je pense, sur PS3 et 360. Par contre, je pense que d'un point de vue stratégie et vision d'avenir, c'est extrêmement excitant. Très content d'avoir fait cette émission qui est un peu plus courte. Mais c'est bien. C'est quoi, je suis content qu'on ait. J'aurais bien continué à papoter de Ah non, moi aussi. Mais c'est clair. Je vois que t'as une belle rose là-bas. C'est toi qui l'as offert à ta compagne. Ah ouais, c'est une rose éternelle. Ah, je me demandais si c'était une rose éternelle. Et ça marche bien. Ouais. Ça fait combien de temps que tu l'as? Écoute, ça fait depuis qu'on a aménagé ici, ça fait un peu plus d'un an. Écoute, elle est toujours aussi éternelle alors. Voilà, j'espère que ma femme le saura tout autant, tu vois. Mais pour l'instant, écoute. Ah ouais, ça tient bien, franchement, ça tient bien. D'accord, c'est bon à savoir. Ouais. Je suis plus team orchidée, moi. parce que c'est marrant, parce que tu sais, des orchidées, t'as toujours l'impression que c'est mort et tout. Puis tu t'en occupes, et puis d'un coup, l'autre jour, je dis, mais waouh, putain, c'est une orchidée qui est dans ma chambre, dans un étage, elle s'est mise à refleurir et tout. T'es très content, quoi. Voilà. Ah bah tu vois, ouais. D'ailleurs, t'es très fleuri, là, sur le t-shirt. Oui, je suis très fleuri, c'est très... c'est la mode. Je suis quelqu'un à la mode. Ouais. Tu germes dans tous les sens. Je germe dans tous les sens, exactement. à force de germer, on risque d'attraper des germes, si tu vois ce que je veux dire. Bon, sur ces paroles un peu décalées, je te remercie pour ta participation. Retrouve dès que possible, dès qu'on arrive à se trouver le créneau commun. En tout cas, ça marche. Ne vous inquiétez pas s'il y a un peu d'espace entre les émissions. On a aussi nos vies à gérer. Puis c'est un peu. Ouais, puis c'est l'été en plus. C'est l'été, voilà. L'actu est calme. On vous sent moins motivés, là, tous les gars, même sur les forums. Là. Sur les forums, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus personne? Merde, putain. Pourquoi il n'y a plus de courrier des lecteurs dans les magazines? Ah merde, putain. Bon, il faut que je te laisse. Roman, tu m'envoies la vidéo. Un zap, ok? Ça marche, ok. Allez, bisous, ciao, ciao, salut ciao, à tous. Ciao, bisous, laissez-nous ciao, des ciao. Commentaires, abonnez-vous, tout ce que vous... comme d'hab. Allez, ciao, ciao. Ciao, bisous.